Heureux tout le monde, on va se faire d'une spell Lucky. J'avais fait un petit peu ce matin. On va continuer avec joie. Je vous ai mis le bon plan normalement. Par contre, moi je me suis pas mis le. Voilà. Pratique. On va se faire une petite heure tranquille. Après, n'oubliez pas qu'on ira chez FunFan pour un nouveau jeu. Un nouveau jeu qui est très spécial. J'en dirai pas plus. Il est très fort pour trouver des jeux originaux FunFan. Voilà. Par contre, le soir, je sais pas si je reprendrai derrière FunFan. C'est pas sûr. Peut-être que je serai trop crevé. En plus, j'ai de la com à faire en famille principalement. Donc, pas que je la fasse trop tard non plus. Je sais pas, on verra. C'est vrai qu'habituellement on fait des bibis, mais là. Allez, mes boys! Bon, j'espère ne pas être trop mauvais! Voilà. J'ai entendu la blonde. Ne me dis pas qu'il m'a refusé mon titre. Je vois mon retour de chat qui me dit le titre est machin chose. Ah, j'ai peut-être été idiot, j'ai peut-être pas validé, vous me direz. Ouais, j'ai peut-être pas validé le. Possible. J'ai tellement souhaité démarrer vite que, vous voyez, à moitié éteint, j'ai merdé. La clé en or, en fait, a éclaté le rocher. Je savais même pas que c'était possible. Alors, je la voyais lourde, mais à ce point, non. Truc de fou. C'est un truc de fou. Oui, la blonde peut descendre si ça l'enchante. Ah, voilà qui est cool. Bon, allez, je vais sacrifier une corde. Oh!
Oh my gosh. Comme disent les Américains. Quand ils sont étonnés. Allez, ça pioche. Allez, ça pioche même le bois. J'ai chaque bord. Bon, attends. Oh merde, j'ai tué le chien. Ah! Merde. Ah, j'y ai merde. Minute papillon, attendez. Attendez, il y a un truc qui va pas. The crane. The skull. Et voilà. Je ne maîtrise pas le crâne, évidemment, comme c'est friable. Comme c'est... Et ben voilà, je l'ai mon truc. Oh. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que j'avais plus de cailloux à proximité. Et du coup... Et vous allez voir que le caillou n'est pas tombé. Que je vais devoir le fouetter. C'est ça. Je vais devoir le fouetter. Oh non, mais l'autre qui est déjà là. Vite, tu te barres. Vite, vite, tu te barres. Voilà, j'en tombe à l'envers tellement j'ai peur. Au secours. Ah, d'accord. Tiens, attrape. Ah, je suis dans la merde. Parce que je suis dans la merde. Oh. Una cobra de la muerte. D'accord. Et puis tout est sauf tout pas accueillant. Et là, je tente le. Oh. J'ai tenté l'impossible. Et c'est beau. Ah. Où je cherche les ennuis, moi. Voilà, je les ai trouvés. C'était ambitieux, mais no. Ah, puis non, puis non. Puis là, faut jouer de la... Je peux jouer de la bombe. Non, de la... Ah, oh, de la bombe. J'appuie pas sur le bon bouton. Pardon. Oh, c'est dommage, j'avais l'œil de Calais. L'œil de Calimero. Oh, stylé. Jamais faire face à un cobra, jamais. Wow, j'ai failli y rester. La pépite. Ah, la blondelle. Heureusement qu'il y avait rien dans la jarre, sinon j'étais foutu. Alors. Fouille. Oh, près de ma blonde. Voilà. Et merde. Oh, t'as vu la blonde qui fait hey. Fait hey, oh, l'innovation de Mano. Pa, allez hop. Alors, avons-nous quelque chose d'intéressant ici? Je crois savoir que non. Mais j'y suis allé quand même, parce que je suis un abruti. Voilà, c'est dit. Je suis pas en forme, hein. Ça se voit. C'est pas grave, c'est fait pour se reposer le week-end. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau.
Merde, non, je vais me faire avoir. Attends, eux, faut que je les mette. Jeu d'échecs. Échec et eux, échec complet. Allez, bouffe-moi, je... On recommence. Vous avez rien vu. Oula, il y en a du monde. Non, il n'y a rien d'intéressant ici. Putain, la vache. Ah oui, ils mettent une bombe beaucoup. Là. Ce n'était pas un cobra, mais on n'en veut pas. Attends, j'essaie de faire plusieurs trucs en même temps et je devrais attendre en fait. Je suis confus dans mon esprit, voilà, c'est ça. Et ça se voit dans ma manière de jouer. Ok, je vais crever. Eh bah ça, j'ai limité la casse, on va dire. Je vais prendre plus que ça. J'ai atteint de la blanche qui fait hey. Alors, viens la sale bête. We are a cellmate. Je te touche de la cellmate. Merde. Je ne sais plus jouer. Oh, fun fan. Ouais, mais qu'est con. Alors, c'est ce qui s'appelle planter quelqu'un, mais dans le sens meurtrier du terme. Oh la vache! Cette violence! Mais honnêtement, entre nous, fun fan, t'en as pas marre de voir en boucle toujours les mêmes sketchs de Caméra Café? Bon, je comprends que tu sois fan, ça je conçois parfaitement. Mais vraiment, à la longue, tu te lasses pas? Et non, je sais pas comment tu fais. Quand j'ai vu quelques numéros de Caméra Café, parce que ma maman adore ça, et quand elle me recevait chez elle, j'y avais droit, mais... Enfin, à l'époque, quand c'était les inédits sur M6, tu vois, c'est pas... Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un épisode de la série. Et la bonde est aussi... Ah bah oui, j'ai tué quand on avait voté, moi. J'ai oublié. Parce que j'ai souvent des samedis où je peux pas le regarder. Ah oui, donc ça va en fait, tu te lasses pas tant que ça. Ouais, tu te fais les séances de rattrapage, ça reste des inédits pour toi. Ok, je conçois. Non bah c'est bien, t'as raison. Faut se faire plaisir. D'accord, d'accord. Voilà. Ah. Ça fait plaisir. Oh, la machette. Putain, ça fait longtemps que je n'avais pas eu la machette. Non, ça m'a rien de méchant. Vous avez vu à quel point je snob les petits lingots isolés? Ce qui est forcément une bonne idée, hein, mais... Je dis que l'appât du gain est pas valable. Oh là 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 là. Oh, c'est dégueulasse. Oh, ça, c'est dégueulasse. Ce jeu est abject! J'avais gardé l'a priori comme quoi il se serait déjà animé, tellement que j'étais à proximité de lui, bah non. Ah, j'ai pété un truc de je sais pas quoi. Bonjour la chauve-souris. J'ai du fouettage de chauve-souris. C'est intéressant. Non, c'est une araignée. Elle a droit qu'à mon mépris le plus absolu. Je l'ignore copieusement, la vilaine. Hop là. Et en bas, c'est la mort. Presque. Bon, il m'a mouru.
Oh, c'est toujours horrible quand le jeu vous génère un monstre juste au-dessus de la sortie. C'est un scandale. La blonde est là. La blonde est là. Hop là. Tac. Oh, il y a du matos. Il y a du matos, alors je dis oui. Ah bah. Il y a de la thune. Attends. Oui, bah, sur le retour, je vais forcément la voir. Bonjour le baron. Ah, la boussole qui indique la sortie, dis donc. Comment que ça va, le baron? Alors, en plus, c'est samedi où je dois faire les courses, où je regarde, mais en même temps, je dois remplir des papiers et tout, etc. Vérifier les directs qui ont été avancés et tout. Ouais, bah oui, bah oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, de la paperasse, tu me rappelles qu'il faudra que j'en fasse la semaine prochaine. Mais bon, bref. La forme, merci, et toi? Alors, ça va, dans l'ensemble, je te remercie, le baron. C'est juste que je suis claqué de ma semaine. Puisque c'était une semaine de formation. Donc j'ai le cerveau en béchamel, j'ai cru que j'allais prendre un point de dégâts. J'aime bien quand l'araignée elle s'en va. Ah! Oh! Oui, merci, monsieur le marchand. J'adore les bombes. Encore que la pioche, elle est à combien? Ah merde, c'est moche. Six mûches, sauf si. Attendez. C'est moche, sauf si. Hop là! Oh, c'est dégueulasse, l'hôtel de Kali qui a le droit à avoir un... Putain, mais juste au-dessus, quoi. Attendez, oh, merde, c'est... Oh. Putain, je savais même pas que c'est possible qu'elle perde le pied, là, l'héroïne. Oh oui, magnifique. Ce tir félin de ma part était d'une dextérité sans égal. Attendez. Merci. Ah, il y a la grosse vilaine au-dessus. Donc je vais éviter d'aller... Attends. Voilà. Je préfère. C'était un... Merde! Oh non! Je fais tout ça pour éviter de me faire becter par la... Et je lui tourne le dos comme un gros nigo, mais non. Mais quelle nénuche je fais. Et la blonde, j'ai jamais vu, elle a jamais existé. Je sais pas où elle était. Non, c'est pas indiscret, j'ai fait une formation de modélisation 3D. J'ai besoin de me mettre à jour dans mon métier et la modélisation 3D va me servir à beaucoup de choses. Donc j'ai appris le Blender. J'ai une initiation à Blender 3D qui est un logiciel gratos. Hein. C'est juste que si vous installez Blender sur votre ordi et que vous le lancez, vous allez être très probablement assommé par l'interface qui va vous faire face. C'est-à-dire que vous avez 40 onglets avec 60 sous-onglets, 60 boutons de chaque côté. Enfin, j'exagère, mais l'idée est là, ça fait... Ça fait pupitre de commande d'avion de ligne. Faut savoir à quoi tout correspond, mais c'est pas évident. Alors, il y a des bouquins dans le commerce pour apprendre. Et je suis plutôt autodidacte. Et il y a longtemps déjà, je voulais me lancer dans Blender. Et puis, bref, il est bon dans le cursus, j'allais dire scolaire. Oui, c'est un peu le cas. Dans le cursus formation continue, la vie professionnelle. Alors que lui, je l'empapaouté, mais quelque chose de bien celui-là. J'ai une occasion nickel quoi. Et j'ai eu d'autant plus de bol d'ailleurs, le baron, je vais te faire la confidence, que c'est des sessions de formation, tu peux aller en moyenne, l'idéal c'est 10 élèves, max 15 par rapport au côté, enfin bref. Et j'étais le seul élève, donc c'est à dire que j'avais le formateur rien pour moi, et ça c'est extra, ça c'est.
J'ai eu, mais alors, un bol monumental, quoi. Je me suis inscrit dans la semaine où il n'y avait personne. Et ça me va très bien. Attends, pardon, il faut quand même que j'appuie sur mon jeu. Et en gros, le fait que je maîtrise désormais, enfin, je m'apprête à maîtriser la modélisation 3D, ça va m'aider à donner du relief à mon boulot, ça va m'aider à voir des contraintes que je voyais pas quand je faisais des plans en 2D sur le papier, ça va m'aider à être dans l'air du temps avec la réalité augmentée, c'est-à-dire que je pourrais présenter des salles qui vont être toutes équipées en informatique. Le gars que je dois convaincre à investir, qui sera probablement soit mon client, soit mon patron dans le futur, je vais lui dire bah, mettez vos lunettes de réalité virtuelle dans le pif et je vais vous calquer sur ce que vous voyez du réel, je vais vous calquer votre futur que moi je remédusais en 3D, tu vois. Vous voyez, là il y a l'armoire de brassage, là il y a vos postes de travail, là il y a votre routeur, là il y a votre box internet, tu vois le truc. Et ça aide vachement. Bonjour Nayonet, j'espère que tu vas bien. Alors attends, c'est l'enfer la config du tableau. Bah génial, oui. En fait, ce qui est enivrant, c'est le logiciel en lui-même. Ça t'ouvre des horizons nouveaux, mais en tout point. Parce qu'il est tellement puissant que tu peux tout faire, quoi. Tu veux faire du Cinoche avec, tu peux, quoi. Enfin, du Cinoche. C'est pas Adobe Premiere ou un équivalent gratuit comme il y en a tant. Mais c'est pas du montage vidéo, c'est vraiment de la modélisation 3D. Mais tu peux faire beaucoup de trucs et mon histoire va mal se terminer. Parce que là je suis en train de me barrer, je suis en train de me faire croquer, de me faire dévorer et je vais me faire bouffer par le fantôme. Et merde. Aïe. Attendez, pardon, je me concentre et j'essaie de sauver ma peau. Si je peux. Oh la vache, la musique est complètement en arrêt. Merde, dommage. Je me suis mangé je sais pas quoi. Vite la vilaine. La vilaine blanche. Wow, j'ai sauvé ma peau, j'en reviens pas. Je suis que tu une scène connais. Alors si tu pouvais reformuler... Ah oui, je sais. Tu voulais le verbe savoir. Tu sais que tu une scène connais. Oui, tu... Alors j'en ai jamais parlé avec une scène, mais... Oui, peut-être qu'il connaît Blender, oui. Et en fait, il y a des bouquins hein, dans le commerce. Vous pouvez très bien essayer. J'ai bien essayé de maîtriser le logiciel avec des bouquins. C'est très probablement valable. Mais ce qui est cool aussi, et mon formateur me l'a dit, maintenant que je t'ai enseigné les bases, tu vas te chercher des tutos sur le net, hein, des passionnés du logiciel. Et il y en a un paquet. C'est, visiblement, c'est une grande communauté. Et tu vas faire l'exercice en même temps que qui se déroule sous tes yeux, quoi. Avec la vidéo sur YouTube. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Même les meilleurs, ils s'échangent des astuces comme ça. Soit sur le papier en disant qu'il faut faire ça dans le menu. Soit... Ah ouais. Pardon. Je faisais une frénésie de bam bam. Merde. Oh là. Je viens de faire un truc pas maîtrisé, mais j'ai eu beaucoup de bol. Ah merde, il y a un diadème. Bref, même les meilleurs s'entraînent régulièrement entre eux sur le logiciel. Et c'est vrai que c'est un. Attends, bah oui, forcément, de me tomber dessus. C'était obligé. Je vais oublier le coffre. Encore que. Merde. Dommage. Parce qu'il y avait la blonde. J'étais attiré par la blonde. Enfin, qui était un blond, là. Ah, de nom, oui, il le connaît, Funfan, j'en suis certain. Parce que ça a sa réputation, Blender. C'est... Mais j'ai plus de cerveau, vous voyez. Je vous fais la causette. Et en vous faisant la conversation, je me fais avoir par tous les pièges. C'est là où, hein, voyez, la concentration que ça requiert. Alors, excusez. Vous devez être peut-être en train de vous dire devant l'écran, mais il est nuche, le sage, il sait pas jouer. Mais moi, j'aurais fait comme ci, comme ça. Et c'est bien, vous projetez éventuellement à ma place en disant, enfin, en vous imaginant ce que vous auriez fait.
Prenez la mettre en main, achetez le jeu. Je vous invite à acheter Spend Lucky, excellent jeu. Addictif, mais très bon jeu. N'oubliez pas que vous avez la version gratuite. Hein. Vous avez l'ancienne version qui est gratos. Qui est très bouillie de pixels, du coup, puisque c'est un jeu qu'on lançait sous DOS. Mais c'est pas vrai. Je reste dans le plus mauvais angle d'attaque de la chauve-souris, moi, en diagonale. Et puis vous allez voir à quel point Spend Lucky est exigeant. Yo yo yo. Ah oui, je veux des barbes. Merde. Ça, normalement, je le maîtrise. Et ben là, la fatigue a fait que... Je l'ai dans le baba au rhum. La blonde, j'ai pas vu la blonde. Where is the blonde? Merde. Oula, j'ai chaud. Je t'ai fait me manger ma propre bombe. Mais ça c'est casse-bombe, je vais m'en débarrasser. Oh cette configuration. Allez là-bas la bombe. Ah si seulement je pouvais avec l'araignée, ça serait trop bien. Mais à mon avis elle va pas. Non. Non, c'est dommage, il fallait que j'écrase. Oh je t'ai vu, beau gosse. Encore un BG. C'est Ken de Barbie, on l'a retrouvé. Il paraît qu'il marche bien hein, le film. Figurez-vous que je vous avoue, je vais me faire plaisir lundi. Lundi, je vais aller me voir Gran Turismo dans des un mode spécial ultra haute définition. Je vous raconterai le truc. Lundi, je vais me regarder Gran Turismo et du coup, j'ai vu les chiffres du box-office et il paraît que Barbie cartonne. Tant mieux, hein, c'est bien. Peut-être un film un jour je regarderai, mais voyez le. Je serais pas demandeur, c'est-à-dire que si le film me passe sous les yeux, je dis pourquoi pas, tiens. Je vais peut-être regarder. Il paraît qu'il est pas con, qu'il se veut féministe. Je sais pas, ça mérite de titiller ma curiosité. Et visiblement, alors surtout ne me dites rien, hein, s'il vous plaît. Me divulguez rien. Pour garder authentique ma surprise et mon analyse pour lundi, quand je me filmerai à vous faire une critique du film, j'ai vu au niveau des scores retour spectateurs que les spectateurs aiment beaucoup. J'ai vu des notes du genre 17 sur 20. C'est que ils ont pas fait de la merde. Donc, avec de la chance, je vais sûrement pas bouder mon plaisir. Merde, il y a la foutue flèche. Ouais. Voilà. Alors attends. Oh, je sais pas comment je fais. Viens avec moi vite. Merde, trop tard. Ah, je voulais sauter sur la corde et j'ai merdé. Parce que je voulais sauver le chien et j'ai. Voilà. Olive. Attends, je crois que une fan m'a créé une ânerie, ça va être rigolo. Oh, les pics en bas. Message de Funfan Munmun 192. Je vais te dire que l'intrigue est blonde, est jouée par Margot Robbie, et Ken est joué par Ryan Gosling. Qui... Alors merci pour l'info, mais je connais pas, tu vois, hein, comme je suis pas cinéphile, les noms que t'as donné... Ça me dit rien du tout. Oula, il y a du grabuge en bas. Ah oui, c'est la flèche qui est retombée. Je crois que j'ai fait une belle ânerie au niveau de la lecture du tableau. Et que je peux pas... Je sais pas. J'entends la bombe, mais je la vois pas. Était-elle au-dessus? Oh, bah là, je suis mort.
Bah, je peux même recommencer parce que j'ai fait nain. C'est débile ce que je vais faire. Oh, pfff. N'importe quoi. Oulala, Westbot qui part en roue libre. Laisse tomber. Que j'allais choper la jarre, moi. Ah, il y a un skeleton. Alors, j'entends du monde, mais je la vois pas. Merdoum! Ah, elle est en bas. J'avais espoir de... Mais j'ai perdu espoir. De toute façon, du monde, il n'y a rien de monde. Alors là, je suis comment? Ah! Comme elle dit. Pas tout pareil. Ah, cette configuration nullissime. Ah oui, d'accord. Ah oui. Puis quand je vais pousser le bloc, ça va condamner la sortie. Oh là là. Bravo, Bref, soupir. Oui, Graham Bell. Oui, le pire, c'est que j'aurais pu donner la réponse. Ouais, Graham Bell. Enfin, non, Alexander Graham Bell. Ouais, c'est son vrai nom complet. Mais ouais. Thomas Edison. Ah, tu penses à la marque, peut-être. Oui, c'est trouble. Non, Edison, il a découvert je sais plus quoi. Merde, j'ai pas assez de thunes. Oui, tu m'étonnes. De mort de fou. En marchant, je peux faire une croix dessus, c'est dommage. Il y avait des bons. Ou alors. Bah non, ouais. Oh, encore que. Attends. Je suis fou. Je tente le tout pour le tout. Voilà. Comme ça, j'ai. Mais j'aurais jamais 10 000. Oh, c'est dégueulasse. Ah 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 ah! Encore que, non, je peux faire usage d'une d'une corde. Voilà, là j'ai 10 000. Ah, j'ai entendu le bon dîner. Il y a le beau gosse à sauver qui est pas loin. On l'a entendu. Voilà, merci. Il est où le beau gosse? Il est là-bas. Il est là-bas, j'ai envie de dire ça va chercher loin là. Si ça va péter le truc, tant mieux. Alors attends, je sais pas s'il vaut mieux que tu passes par en dessous ou par en haut. Il y a l'étoile d'araignée, il va pas pouvoir passer. Il y a. Ah oui d'accord. Allez, hop, démerde, débrouille-toi. Hein? Bon. Moi j'embarque le coffre, on sait jamais. Je sais pas s'il y avait la clé en bas. Ah oui, la clé est en bas. J'ai bien fait d'embarquer le coffre. Hop là! Bingo! Merveilleux! Je vois tout, j'ai les yeux de calé.
Merde, il y a déjà le fantôme de mes deux. Et je crois que j'ai un gros souci. J'ai les fantômes des mines. Ah. Abject jusqu'à l'infini. Mais qu'est-ce qu'il est pas des bagabas? Mais attends. Ah mais non, ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai compris ce qui s'est passé avec la blonde. Qui s'est barré sur la gauche. Et j'avais... Je sais pas pourquoi. Mais j'ai dû mal lire le tableau. Je m'étais persuadé qu'il allait rejoindre la sortie de lui-même. Dur. Et c'était cruel. Un peu en lingot, non. Trop cher du lingot. Trop cher du... Ouh. J'ai failli me faire piquer le cou. Ah moi hier. Touk. Sauvetage de demoiselles en détresse. Ça a été pas bon. Top. Alors là par contre je vois pas où jouer. Ouais. Merde. Excusez-moi du peu, mais le serpent me les... Viens ici, Mzel. Oh Mzel, Mzel. Oh, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Elle me les brise déjà, l'araignée. Voilà, merci. Oui, pourquoi pas. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de pique, mais... Oui, non, oui, non. Non, 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 oui. Très bien. Très, très bien. Par contre, je regrette de pas... Je regrette d'être tombé. Je regrette d'être tombé parce qu'il y avait des trucs à faire, je crois. Là, faut pas abuser, je vais pas remonter jusque là. Par contre, là où il y a le serpent, ouais, j'aimerais bien y aller. Tiens, mange. Hop là. Ouais, bon, gagner quelques diadèmes. Des joyaux de diadèmes. Ah, c'est dur. Faut s'agripper, sauter, fouetter. Oh vache, il y a beaucoup de choses en une seule fois. Ouais, c'est pas encore ça. Ah, parfois c'est long et dur hein, de remonter la pente. Mais bon. Courage, courage, comme dit Fanfan. Cochonnerie. Il a des bombes à me vendre, le monsieur. Alors ça, c'est sympa, la boussole. Finalement, je finis par apprécier tous les trucs. Allez, hop. J'ai du fric. J'en profite. Merde, je pensais que le caillou allait... Ah, j'étais accroupi, peut-être. Non. Non, non. Non, le jeu voulait pas. Il m'a méprisé, c'est honteux. Ah, le parachute. J'ai un parachute jetable. Ok. Je repense au deltaplane dans Far Cry 2. Hop là. Oh merde. Hop. Oui, saute ma grande, saute. Non. Non, oh, j'ai merdé. Non. J'ai tout merdé, mais mon lancer de pierre, non. Mais non. Nope. Non. J'arrive même plus à me saisir des pierres. Aïe, yeah, bagalaba, la vilaine. Viens par ici, je te vois. Je sens qu'il va me dire que le fantôme va arriver. Parce que j'ai mis une éternité à me barrer. Hop là. Alors. Je prends une... Merde. Oula, c'est un coup à s'assommer soi-même. Oh. Ah.
Nous avons une blonde à proximité de la chantier. Attends, je laisse mon caillou là parce qu'il va me servir. Alors, Thunas. Yes! C'est comme ça qu'on fait. Non, là, je l'ai bien joué, là. C'était correct, allez. Je vais être plus humble. C'était correct. Non, je crois que je me suis fait croquer. Je me suis dissous déjà plus. Merde. Si je peux faire péter la caisse. Encore que... Oui, c'est vrai que faire péter la caisse en bas est intéressant. C'est vrai que la poussée tout naturelle... Oh non, c'est dégueulasse. Non, mais la blonde va mourir. Mais c'est dégueulasse. Mais comment voulais-tu que je... Mais je peux pas récupérer la blonde. Voilà, j'ai eu la punition du retour du caillou. Voilà, la blonde est morte. C'était obligé. Mais c'était quoi ce tableau de... Hein? Mais c'est abject, hein. C'est honteux. Oh, tiens, meurs. Encore, toujours encore, remeurs. Puis à la fin, vous voyez, elle touche le bas du niveau et elle devient squelette elle-même. Voilà, comme l'autre. Comme l'autre qui vient de se réveiller. Et qui retourne d'entre les morts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Tiens, allez, fais-toi plaisir, j'ai des bombes. Allez, la pauvre blonde, elle en saute de joie. Voilà. Oula. Alors, je peux tenter un truc, mais ça va être la violence. Michael Bay Production Present. Ah non, ah si. Ah, merci. J'avais espoir de la réaction en chaîne qui s'est produite sous vos yeux, mais fallait attendre un peu. Oui, non. Il y a un infâme scorpion, donc non. Et du vide. Alors je dis nope. Ah. Oh, mais c'est vrai que, attends, avec le sadomaso, le non, ça va pas. Hop là. Non, mais il y a trop de scorpions, mais arrêtez. Mais pour un dernier niveau de mine, il est injouable. Ah, alors lui, il meurt déjà, pour commencer. Bon, là, j'ai rien. La sortie est là-bas. Où est la blonde? Ah, le cobra a zigouillé le... Lâche petite araignée. Lui il vend des trucs, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, joli. Non, bah la blonde. Nope. Ah si, mais non, mais. Elle est morte. J'aurais pas la blonde. Je... Crotum. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis dépité. Je peux pas la sauver. Mais non, mais c'est horrible. Ah! Enfin, on voit la jungle. Oserais-je dire qu'elle m'avait manqué? Non, mais... On voit la jungle. Oh la vache. Oh! Et c'est le grand bassin. Donc autant dire qu'il faut surtout pas toucher le fond. Alors la jungle, vaut mieux la débuter avec 16 bombes en main. Parce que... 4, je vais pas aller loin. Un hôtel de Calimero, là. Que je ne sais même pas... Hein. Voilà. C'était la jungle, mesdames et messieurs.
Attends, vas-y. Moi, je vais remonter parce qu'il y a un cahier qui m'intéresse. Non, mais... Voilà, j'ai commencé à parler des langues inconnues. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. C'est pas votre téléviseur qui a un problème son. Et j'ose, c'est méchant, hein, mais j'utilise la bombe comme projectile. Mafia, blablabla. Non, c'est l'appât du gain est pas correct. Enfin, voilà. Le jeu en vaut pas la chandelle. Bon, ça c'est déclenché. Oh oh oh, il y a un totem là. 3, non, ah dommage. Je sais pas pourquoi, mais un jour arrivera, je verrai dans les mines, les premières mines de début de niveau, 3 d'affilée. Je sais que ce jour va arriver. C'est dans les stats, il faudra bien que je trouve le... Ce jour-là, je fais une capture d'écran du direct et je l'immortalise. Avec comme titre, le jeu a été très méchant. Mais c'est vrai, ça résumerait que trop bien le... Mais... Je veux saisir le caillou, j'y arrive pas. Hein. Oh non... Non, vive les bombes là. Vive les bombes parce que... Ah, la chauve-souris, je la... Vas-y, tiens, on va rigoler. Ah, sympa. Ah, mais j'ai dit, tant que le fantôme n'est pas là. Coucou. Non. Allez. Je fais la malle. Ah, je vais déployer mes jambes. Qu'est-ce que j'entends? Oh non, la voisine va pas encore faire un zouk. C'est pas possible. Elle a pris un abonnement tous les samedis pour faire les zouks. Aïe aïe aïe. C'est rigolo. Ouh, qu'elle va me faire suer, elle. Tiens, mange. Ouais. Elle m'a esquivé, la maline. Viens me chercher, viens. Merde, il y a une petite araignée. La petite araignée s'est vengée pour la grande. Alors attends, il y avait une blonde, je crois, en haut, non? Oui. Alors pour l'atteindre... la blonde va crever. Direct. Direct. Pour avoir la vision de Kali, là, c'est cadeau. Il faut se débarrasser de l'araignée, mais c'est cadeau. Voilà. Là, je vais voir à travers les murs les joyaux diadèmes, en plus de la météorite, j'allais dire. Des pépites. Il y a des choses à faire. Oh, merde, il y a un piège de mes 36 de 8 licornes. Voilà, merci. Ouais, je vais chercher les cordes après.
Ouais, il y a deux joyaux, mais vu la config, je vais pas avoir le temps. Donc je me barre. Je me barre. Là, lilou, lilou. Seulement. Magnifique. Finalement, j'ai eu mon gain. Finalement, par coup de bol et grande finesse, l'araignée aura servi ma cause. Ah. Merdoum, parce que... Merci, bonjour. Bonjour, Mr. de Sage, Wef Nansai. Yes, I'll speak English well. Excellent. Ah, c'est génial. Avec la voix, l'accent est excellent. Bonjour, Foufou, j'espère que tu vas bien. Oui, j'ai vu que tu attendais ton Starfield. Ça y est, il est sorti. Alors, j'en ai rien vu. Je sais pas. Je devine que c'est de la science-fiction dans l'espace. Mais je sais pas du tout en dehors de ça ce que c'est, quelle forme ça prend. Mais c'est bien si t'as trouvé ton bonheur, Poupon. Faudrait que je vienne te faire un petit coucou sur ta chaîne et que je te vois faire une... Tu l'attends depuis hier soir. Ah. C'est beau. Tu as plein d'étoiles dans les yeux, Poupon. Je le sais. Ah! Bon, j'aurais pas dû faire mon kéké. C'est... Je... Voilà. J'ai perdu une vie bêtement. Non, faudrait que je j'aille voir. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci, merci, merci et bisous. Merci, merci et bisous. Merci. Ah, le mouvement du scorpion. Et j'irai mater prochainement sur ton antenne, Poupon, donc je découvrirai le jeu, quoi. Oui, il a des bombes. Oui, ça m'intéresse. La boussole aussi, elle est cool. Okay. Ouais. Et merci pour l'abonnement, Poupon. Merci tout plein. Bisous. Ah là 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 là. C'est gentil tout plein. Ah, alors. Les mines de la moitié. Ah oui. Ok. Oh, cette configuration de... De voir les deux blocs les uns sur les autres et puis le... Alors là, 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 je me méprise, là. D'avoir fait une... Oh. Je, à mon niveau de jeu là, enfin mon, avec mon expérience de jeu, je devrais être interdit de mourir comme ça. C'est no. Enfin bon, ce n'est qu'un jeu. Mais j'ai honte. Et du coup, ça m'a complètement coupé la chic et le propos. Je sais plus. Ah, la bande est là. La bande. Alors là, pour le coup, la config du tableau me plaît. Là-bas, ouais. Tableau mystère. Ouais, tableau mystère, on fait le répertoire de la Mega Drive cette année. Sachant qu'en 2024, on fera le répertoire de la Nintendo 64. Je sais que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Alors la Nintendo 64 est une console que je connais très mal, dont j'ai beaucoup de sympathie, on va dire, d'admiration. Il est évident que gamin, à l'époque où elle est sortie, on aurait offert une, j'aurais été le plus heureux du monde. Mais c'est pas grave, hein. Ce qui était fait, j'ai eu une enfance heureuse, soyez rassurés. Mais non, pour dire que dans la technique, en fait, la Nintendo 64, elle en jette.
Ouais, franchement, de conception, surtout pour l'époque, elle était vraiment bien pensée, je trouve. Je sais pas si les créateurs, les concepteurs, les programmeurs, surtout, en ont bavé avec cette architecture matérielle, mais... Et puis le design osé de la manette en forme presque de vaisseau spatial, là, j'ai envie de dire. T'as mon mystère, le jeu où si tu gagnes pas, tu perds. Ouais. Ah là 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 là. Ah, la blonde est. Ah merde, j'ai pas cette thune. Non. Je vais acheter des bombes. Donnez-moi de la tunache. Je vais acheter des bombes. Oula. Ah. Une vilaine araignée peut cacher un magnifique rubis. Je dis oui. Ah oui, sauf une scène pour t'avoir le mystère. C'est quoi le cadeau rose? Boîte mystère, tu sais pas ce que t'achètes. Bon, bah, pour ceux qui ont du fric à claquer. Ouais. Pourquoi pas. Alors, elle va me faire suer, voilà. Merde. Non. Mais monte. Oh, j'arrive pas à me glisser dans l'interstice. Si tu veux. Bah oui, de toute façon, tu n'iras pas plus loin. Boum. Rien que ça, c'est rigolo. Alors, caillou. Jarre. Jean-Michel. Alors, attends, j'ai mon. Oh, merde, c'est pas malin ce que j'ai fait. Je dois protéger ma blonde, je sais pas comment. Je veux commettre le sacrilège d'offenser Kali, c'est trop drôle. Ah bah! La sortie est là. Hop là. Magnifique. Et là, je vais semer le chaos. Ah, pour mon plus grand plaisir. Allez hop! Allez, c'est le boxon. Ouais. Alors, la vilaine. Oh, c'est la première fois que j'en vois une sauter en étant au sol, dis donc. Tellement habitué à l'avoir suspendue à son cochonnerie. À son fil que ça a fait bizarre de voir son design. Ah non! Oh, je pensais qu'il allait apparaître du côté opposé, moi. Ah bah, ça sent le roussi, mon truc. Ouais, je suis pas dans le bien, là. Merde. Ça va mal se finir. Ça va très mal se finir. Ouah! Ah, le stress. J'aurais presque même pu passer par la toile d'araignée avec les jars. Ah, mais c'est scandaleux. Je veux tout, le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Attends, vite, vite, vite. Le coffre avec la clé, le coffre avec la clé. Je me barre. Je me barre. Non! Ça, il manquait ça. Mais j'ai eu un mauvais réflexe, en fait. J'ai chopé la corde en me laissant tomber au lieu de valider la sortie. Donc, nope. Dommage. Derrière, je crois qu'il y avait la jungle à nouveau. Ah, c'est ballot. Hein. Merci pour les clips. Merci. C'est apprécié, comme je ne cesse de le rappeler. Alors, attendez. Bah,
Heureusement qu'il y avait le... Heureusement que j'ai eu le bol d'avoir un... Ouais, non, ça vaut pas le coup de mettre tout le monde là. Encore que, bah si, il y a la blonde. Si, si, il y a la blonde. Merde, je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Ça y est. Non ! Oh ! Mais cette dégringolade de l'interdit, là. N'importe quoi. J'ai fait une mauvaise combinaison. Oh merde. J'ai vu le bonnet se faire malmener. Fini, je crois. C'est ça. Ah, un diadème. Et du coup, je peux, hein. Ouais. J'ai glissé, chef. A plus, Poupon. Oui, pardon, j'ai pas vu... Oui, merci, bisous. J'ai pas vu que tu partais, Poupon. Quoi, le baron, je suis parti, je vais à la salle, je reviens après. Oui, bon samedi, merci d'être passé, le baron. Bonne journée, merci tout le temps. Alors, attends. Je passe. Alors, le chien qui est la blonde est à droite. Là, j'ai quoi au bout ? J'ai de la mouise. Oui. Ouais. A plus, le baron. Non, je t'en prie. Ça fait plaisir d'avoir de la visite en direct. C'est tout le bonheur qu'il y a dans Twitch. Aïe, merde. Non. Ça mène à rien et en plus je me suis mis en danger. Bon, attends, je vais me barrer par là. Il y a du matos, il y a de la tunasse. Là-bas, il y a quoi? Ouais, il y a déjà. Tant pis, je perds du temps, mais je vais gagner de l'argent. D'ailleurs, j'aurais pu. Mais oui, mais non, mais. C'est cadeau quoi, je fais tomber la verticale la blonde et puis j'ai gagné ma vie pour le niveau suivant. Allez viens. Alors aller-retour, penche, je repars, le fantôme va arriver, hein, c'est sûr. Le fantôme je vais le voir là. Allez hop. Hop, t'y vas. L'autre va se barrer tout seul comme un grand. Garder le caillou. Tout ça pour ça. Tout va bien. Et voilà, c'était sûr. J'ai... Non, oh, dommage. Je pensais choper les diadèmes, mais j'ai merdé mon seau comme d'hab. Ah, ça par contre. Merci. Nickel. Oh, le scénario idéal. Je rappelle que c'est du hasard, hein, mais... là, il a bien fait des choses. Allez. Oh, mais non, mais... Deux petites pépites de... J'aurais dû les choper. J'aurais dû les choper.
Alors, c'est pas des fois, c'est-à-dire que ça dépend de la configuration du tableau. La blonde qui peut prendre la forme d'une femme, d'un mec ou d'un chien, c'est une vie en cadeau. Si tu peux embarquer comme je le fais là, le pire c'est que je l'avais, je le voyais, je me disais il faut que je saute le truc et surtout que je glisse pas. Ben j'ai glissé. Bon bref, le blond, la blonde ou le chien, c'est une vie supplémentaire. Si dans la configuration de tableau, t'as l'occasion de l'embarquer avec toi et que tu lui fais franchir le point d'arrivée là, qui est le niveau plus inférieur de la mine suivante, tu gagnes un cœur. Un cœur, c'est une vie. T'as droit, voilà, à prendre un coup supplémentaire dans la tronche avant de mourir. C'est comme ça que ça marche. Et c'est une mécanique de jeu en fait qui le rend vachement addictif. Avec évidemment le... Faut que j'arrête de dire évidemment. Le procédural, génération du tableau au hasard à chaque partie. C'est bon, t'es prêt? J'attendais que tu m'envoies le signal. Alors, je termine ma session là, puis dès que je suis quick, on se lance dans ton jeu tout nouveau, tout beau. Alors là c'était pas intéressant. Bah, de toute façon il y a un caillou en bas alors. Mais non, attends, la blonde est tellement bien blonde qu'elle sait pas ce qu'elle a dit, évidemment. Là la jarre ça vaut peut-être le coup. Non, ça vaut pas le coup. Allez, on se barre. Souterrain suivant, s'il vous plaise. Voilà, je gagne un bisou. Et le bisou est égal à une vie. Et c'est pourquoi parfois tu peux voir des stands de marchands. Tu vois, alors pas l'esclave hein, qui est chauve, c'est autre chose. Tu peux voir pareil la blonde, un blond ou un chien pour avoir une léchouille que tu payes. Tu payes cher. Généralement c'est 10 000 $ et minimum. Et c'est autant de fois que tu gagnes de vie quoi. C'est un achat de vie. Elle est rare, c'est une chance d'avoir la boutique là dans le tableau qui se présente à toi. Ça arrive pas souvent, mais je vous l'ai déjà fait sur l'antenne. Le coup d'acheter la léchouille chez le marchand, qui retient en otage en fait la blonde du niveau. C'est dire. Sa mandade de Spalloki est si cruel. Vous n'avez pas idée. Surtout avec la merde, il y a une énorme araignée. Oh non, puis la blonde elle est là-bas, alors autant elle est là quoi. Boum. Ah, elle a bien giclé l'araignée. Oh, mais quelle horreur! Double serpent. Double snake. Le double serpent. Eh ben dis donc, c'est pas joli. Hop. Auprès de ma blonde. Merde, il y a un piège et elle va se manger, c'est sûr. Ah bah non. Sauf si la sortie est là. Ah, alors du coup. Ah, il y a un marchand, mais ce qu'il propose ne m'intéresse absolument pas. Dommage. Ah, ça aurait été des lots de bombes, là, j'aurais pas sauté au plafond, mais presque. Mais, deg. Bah, j'aurai plus de chance au prochain sous-sol. Voilà. Ah, la blonde ici. Est-ce qu'il y a une jonction? Oui, il y a jonction. Ah, il y a même un marchand, tiens. Tiens non. Et il n'y a pas de bombe. Merde, pardon. Alors, attends, joli
libère. Mais c'est pas vrai. Voilà, j'ai envie de dire. Bah oui, non, mais non. Merde. Voilà. Podak. Ouais, c'est bien, vas-y. On a quoi là-bas? Alors, il y en a rien de mes deux, mais. Je sais pas si j'ai. Ah! Petite pépite. Ça sort plus pas. Bah lol. Ah la vilaine. Eh oui, c'était sûr. C'était sûr. Et puis j'ai pas l'air débile avec la clé en suspension dans la toile d'araignée. Oh non, mais non. C'est le niveau de la moitié. Voilà, très bien. Au moins, ça me fait une cochonnerie en moins. D'ailleurs, je peux lancer le caillou parce que. Ah bah non, il n'y a pas de coffre. Non, bah le coffre à clé il était à serrure, il était plus haut. Et le coffre à serrure dorée, là, en fait, son gros trésor, c'est que vous mettez main basse sur l'œil de Kali, et l'œil de la divinité Kali, je le rappelle, vous permet de voir, en plus, comme on voit là, l'or dans les murs, on y voit après les joyaux, les diadèmes. Donc c'est de la thune à gogo. Ah! Si je fais pas le débile, on va peut-être revoir la jungle. Si je fais pas l'idiot... Oh merde. Oh là là, faut surtout pas aller à droite. Alors la droite est interdite au possible. Joli. Très très belle action de ma part. Là pour le coup, je m'auto-congratule parce que les pros auraient fait pareil. Voilà, nickel. Nickel, mais c'est pas parfait. Voilà. Le scorpion qui m'aura aidé à amortir ma chute. J'ai failli merder du coup. Je sais pas où est la blonde. Je l'ai entendu mais je l'ai pas aperçu. D'accord. Ce niveau est débile. Bon bah on va aller à la jungle. Go to the jungle. T'inquiète pas, je pense que la jungle, je serais surpris d'atteindre les glaciers avec, une fois on a vu les yétis, avec les soucoupes volantes, c'était complètement délirant, mais bon, Spen Lucky, mon avis dans 10 minutes on est sur ton antenne, ton fan. Oh! Oh non, je connais pas les abeilles. Oh, puis le dard bien en avant, en disant je n'attends plus que toi. Non. Puis j'ai plus qu'une bombe. Triple non. Non, non, l'abeille, tu m'as pas vu. Oh merde. Au secours. Ah, je me fais gambanguer. Alors la sortie est par là, ce qui est pas pour me déplaire. Voilà. Au moins, je suis tombé. Voilà, hein. Bon. Ah. Parce que les guêpes, abeilles, non. Enfin, c'est oui, c'était même des guêpes d'ailleurs. Pas que je revoie le dessin, mais. Mais. Brrr. Bon, bah, pour une fois qu'on voit un peu la jungle. Oh non, je pensais que j'aurais le joyau, moi. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un énorme shroom. In-game. Qu'est-ce qu'il fout sur l'hôtel de Kali, lui? Il est fou. Il est fou. Hop, que tu peux. Ah, je sais pas comment les gérer. Merde, j'aurais pas dû. J'aurais dû garder mon caillou là, j'ai fait un truc débile. Ah, une grenouille explosive. Bon. Là, elle va faire. Voilà. Ce qui est peut-être une bonne chose. Ou pas. Ah, j'ai une caisse de matos. Bonjour toi. Dans ta face. Oh non.
Oh non, je veux du matos. Surtout si c'est des bombes. Surtout si c'est des bombes. La 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 la. Oui, c'est des bombes. Oh ouais. Eh, pas mal. Incroyable, qu'est-ce qui m'arrive? Je me transcende. C'est le moment où je dois te passer l'antenne, mon pauvre fun fan, que je joue bien. Qui l'aurait cru? Comme quoi, il y a, je pense qu'il y a un jeu de... Je m'échauffe. Hop là, et là, boum. Ah, elle m'a ouvert une voie, un accès. Ah, dommage, c'est tentant pour la caisse, mais non. Rien que la plante carnivore, je renonce. Attends, lui, je sais pas qui fait quoi. Ah oui, non, des jouets, des diadèmes. Ah, une monde. Une monde masculin. Voilà. Tais-toi, mais hey. Il me fait peur avec ton hey. Oula, il y a quelque chose qui est mort. Non, mais c'est pas vrai. Mais j'ai un abonnement. Ah, je savais pas qu'on pouvait escalader l'arbre. J'ai un abonnement au guêpe. Alors attends, je peux pas passer ça. Autant dire que ça, c'est un sens interdit, le guépier là. Oh là là. Bon, faut que je pète la masse d'eau. Si je peux. Où est la sortie? Oh, c'est la moelle. La moelle. La moelle. Je suis foutu. Ah, elle me vient de me piquer là. C'est l'enfer. Non. Je oui, je non. Ah, dommage. Si pas du but. Ah, j'ai dévoré un succès. Plein les mirettes. Compléter 50%. 50% du carnet de bord. C'est-à-dire que je connais la moitié des éléments ennemis, bonus. Voilà. Je vais être allergique aux abeilles, oui. Bah, je suis allergique à la jungle, ouais. C'est trop de violence. Bon, allez, on va filer chez toi, FunFan. Tant pis. Je te fais le relais de chaîne, c'est bon. Vas-y, lance. Oh, quelle misère. Oh, mais il est chiant. Il me dit que ton nom d'utilisateur est pas valide. Pardon. Du coup, j'ouvre le navigateur pour... je vais faire dans la saisie de mon chat direct, normal dans l'Opéra, navigateur Opéra. Alors, mon logiciel spécial, il veut pas. Allez, go. Alors, que j'ouvre ta page, que je puisse te suivre. Faut que tu lances, s'il te plaît. Oui, lance, lance, lance. Vas-y, vas-y, vas-y. Lance, 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 tout de go. Feu vert, mon cher fan. Excuse-moi, du coup, je te bouscule. Je réfléchis. Il faudra qu'on se fasse l'appel Discord aussi. Voilà, vous êtes adorable. Vous dites des bonjours avec des petits cœurs. Je sais pas. Alors, je sais pas si je reprendrai tout à l'heure en direct, c'est pas sûr. C'est pas gagné. On verra. Sinon, je vous dis à demain matin. Voilà, oui, t'as fait l'appel. C'est bien. Je t'entends, nickel. Ça va marcher ou pas, des fois j'ai un petit souci. Non, apparemment t'es en ligne. Mal réglé dans ma config. Ah. Attends, je t'entends pas, mais je pense qu'il y a un truc qui est vraiment mal configuré. Faut que je vois avec Winsen. Ok. Bon, je vais changer ça. Oui, je vois bien. Est-ce que ton micro bouge? Oui. Ouais. Donc c'est bien moi qui ai un souci. Et là, comme ça. Ouais, est-ce que tu m'entends? Ouais, ça y est. Je t'entends. Nickel. J'espère que tu vas bien. Oui, 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 je vais bien, merci. J'espère que toi aussi, visiblement, c'est le cas. Merci pour le raid. Non, mais je t'en prie.
Là, je fais vite fait quelques configurations. Là, le son va un petit peu changer vite fait. C'est juste le temps que je vois si au niveau de l'image, tout est OK.